L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Moulin Didier. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est une affaire qui revient sur opposition. Oui. Hein, puisque, monsieur, vous avez été déjà jugé par ce tribunal en votre absence pour ce problème de construction de maisons individuelles sans garantie de livraison. Donc, vous appelez Didier Moulin, vous êtes né le 2 juin 1971 à Agen. Vous êtes de nationalité française. Et jusqu'à présent, votre casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation. Vous comparaissez, monsieur, pour avoir, à Lormont, courant octobre 2007, construit une maison individuelle, avec ou sans plan, sans contrat écrit. Et courant octobre 2007, pour avoir à Lormont, construit cette maison individuelle, sans garantie de livraison. Les faits pour lesquels vous êtes jugé sont les suivants. Vous étiez gérant de la société Construction Bois France. J'étais un des gérants de la société Construction Bois France. Voilà. Et deux consommateurs se sont plaints de cette société qui n'étaient pas en mesure de mener à terme les travaux de construction de leur maison en bois. Alors, j'aimerais savoir de quel client il s'agit déjà. Donc, ils ont confié la construction de leur maison en bois à cette société. Et cette société a établi deux contrats dits d'entreprise. L'un au nom de la société Construction Bois France et l'autre au nom de la société italienne. Vous aviez d'ailleurs déjà été entendu sur ces faits, donc je ne suis pas sûre que vous les ignoriez réellement, puisque vous aviez été entendu le 11 mai 2009, et vous aviez dit, moi je ne reconnais pas les infractions, parce que le client a signé un contrat d'entreprise, il a signé en sachant très bien que ce n'était pas un contrat de construction de maison individuelle, d'une part parce qu'il s'est gardé de faire la pose du chauffage, et d'autre part, ma société n'a pas les assurances obligatoires. Tout à fait. Hein? Alors, la mémoire vous revient un tout petit peu là? Oui, non, mais tout à fait. Non, ben, si vous voulez, on a actuellement trois procès. Enfin, il y a trois procès qui sont en cours. Très clairement, ces personnes-là n'ont pas signé le CCMI, donc de contrat de maison, de construction de maison individuelle. Ils ont signé deux contrats avec deux sociétés différentes, deux entités morales sur deux pays différents. Chaque société donc avait ses assurances, mais nous ne sommes pas soumis à la garantie de bonne fin de chantier, qui est donc une des clauses, une assurance du contrat de construction de maison individuelle, donc du CCMI. Donc là, la société française dans laquelle j'ai été gérant n'effectuait que la partie couverture. La société italienne, elle, s'est chargée de commencer les fondations chez cette personne. Et quand elle a voulu lui livrer son kit de maison en bois, il a refusé l'accès parce qu'on était hors délai. Ils ont donc attaqué, cassé le contrat et tout le reste. Alors, ces explications, vous les avez données à la DGCCRF. Oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, sur le site internet de cette société, qui, je le précise, est désormais en liquidation judiciaire? Tout à fait. Hein, pourquoi y avait-il à l'époque une présentation de cette société sans équivoque comme un constructeur de maisons individuelles en bois avec fourniture de plans? Alors, que le site soit qui vende des maisons, ça, effectivement, on vendait les maisons complètement. C'est-à-dire qu'en fait, le site était une plaquette pour les deux sociétés. C'était, on va dire, un groupement d'intérêt économique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait des agents co qui se servaient de ce site pour vendre les différents services, sachant que, par exemple, les plans ne sont pas une obligation. C'est-à-dire que les clients pouvaient venir avec leurs plans ou autre chose. Mais en tout état de cause, c'était effectivement une plaquette libre, mais à chaque réception de clients, il était très clairement spécifié qu'il ne s'agissait pas de CCMI. Vous me dites que les clients apportaient parfois les plans eux-mêmes. Je vous rappellerai les termes de l'article L231.1 du Code de la construction et de l'habitation qui rappelle que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat et que ce contrat est également imposé à toute personne qui se charge de la
construction d'un immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers, et que cette personne est bien dénommée constructeur et réputée constructeur de l'ouvrage. On est tout à fait d'accord, mais quand il s'agit de la totalité de la maison. Or, pour ce qui concerne Construction Bois France, le contrat que vous avez ne touche que la charpente et la couverture. Dans ce dossier, il y a un seul devis, monsieur, qui a été établi. Ah non, ça. Et ce devis, il y a deux devis. Prévoit un montant de travaux uniques qui intègre les fondations, l'édification, la toiture, et donc la mise hors d'eau et hors air. Oui, alors c'est parce que le premier contrat qui a été établi par le précédent gérant, qui était donc italien, qui n'avait pas de notion de droit italien, français, excusez-moi. Donc ils ont demandé à avoir des garanties de constructeurs de maisons individuelles. Obligatoire pour faire donc le CCMI. Leur assureur italien leur a accordé l'accord de principe, et à réception des premiers contrats, l'assureur italien s'est rétracté. Donc tous les contrats qui ont été signés en CCMI ont été cassés. Il y a un deuxième contrat qui respectait de toute façon le devis initial, donc en gros on n'avait pas de plus-value financière, mais que les deux contrats étaient cassés en deux, de telle façon à pouvoir, entre guillemets, respecter la législation française, puisque c'était deux sociétés sur deux entités morales avec deux associés différents. J'entends bien, monsieur, mais alors là, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un parfait montage juridique. Les deux contrats d'entreprise dont vous faites état ont été signés par ces clients-là, au nom de Construction Bois France, et donc pour eux, ils n'avaient comme interlocuteur que vous. Et à ce niveau-là, monsieur, vraiment deux contrats différents. Il y a un contrat pour les Italiens, un contrat pour les Français. Sur les contrats d'entreprise signés, c'était Construction Bois France. Et je précise quand même également que vous étiez d'ailleurs inscrit au registre du commerce et des sociétés comme constructeur de maisons. Tout à fait. Mais c'est parce qu'initialement, le premier gérant... C'est, en gros, les contrats qui vous ont été fournis sont les premiers contrats, je suppose. Parce que je prends le truc en route. Ça, c'est des contrats qui ont été signés par le premier gérant, qui ont été faits dans le cadre d'un CCMI. C'est-à-dire que la société avait l'autorisation de faire CCMI. Quand ils ont fourni les documents à leur assureur leur dit « Il est hors de question qu'on vous fournisse quoi que ce soit ». Donc, dans le délai qui était imparti pour la construction, la seule réponse à faire au client était de casser le contrat en deux. Mais c'est la loi. La loi dit que s'il y a deux entités morales différentes, on a la possibilité de le faire. C'est le principe finalement d'une holding, dans le sens. Question, madame le procureur. Quels étaient vos liens ou les liens de la société française avec la société italienne? La société française est filiale à 100% de la société italienne. Qui est le mandataire exclusif? Alors ça, c'est la question qui est en train de tourner, parce qu'on m'a a priori qualifié mandataire exclusif au niveau de la liquidation judiciaire, chose que je refuse totalement. Mais on est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le droit de m'y opposer. Sachant que je ne gérais pas la totalité des fonds, et de toute façon, je n'avais pas pouvoir de décision sur la société. C'est-à-dire que j'avais un pouvoir, celui du gérant, mais en termes de... Les associés étaient toujours derrière pour faire ce qu'ils avaient à faire. Là, on parle de la société française. Je parle de la société Construction Bois France. Et la société italienne? La société italienne, et c'est donc une entité qui est... Enfin, l'ancien associé de la société italienne, l'ancien gérant de la société italienne, et était le gérant de la société française, était le gérant de la société italienne. Donc après, il y a eu... Donc même gérant pour les deux sociétés? Au début, tout début, tout à fait. Et en octobre 2007 En octobre 2007, je ne sais pas. Je pense que j'ai pris la gérance à vérifier. C'est en février, je pense. Alors, est-ce que c'est 2007 ou 2008? Mais de toute façon, si je signais tamponné, j'étais gérant. C'est signé et tamponné. C'est signé et tamponné, donc je vais être gérant à l'époque. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Ici, monsieur, s'il vous plaît. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Donc nous avons deux sociétés, une société française et une société italienne. La société française est filiale à 100% de la société italienne. Et monsieur Moulin est le représentant des deux sociétés, la française et l'italienne. En octobre 2007, c'est en tout cas moi ce que je viens de comprendre des débats. Monsieur Moulin s'expliquera... Vous expliquerez tout à l'heure, monsieur, mais moi, c'est ce que j'ai compris des réponses que vous venez de me faire. Et c'est aussi ce que la DDCCRF avait compris à l'époque, puisqu'elle mentionnait dans son procès verbal qu'il était le mandataire exclusif
de cette société italienne au même titre que de la société française. Société dont l'objet est donc, au terme de la publicité qu'elle fait sur son site internet, de proposer à des clients des solutions clés en main pour leurs projets. Nos maisons sont déclinables, etc. à l'infini. Elles sont livrées à la demande. Notre technique de travail pour la création de votre maison. Enfin bref, l'objet, c'est bien construire une maison à ossature bois. Alors, comme vous le lui avez fait observer, de choses l'une, enfin, c'est un montage, soit on est toujours dans de la construction de maisons individuelles et la réglementation n'est pas respectée. Réglementation qui prévoit un contrat écrit obligatoirement et qui prévoit surtout une garantie de livraison. Parce que malheureusement, c'est produit ce qui se produit malheureusement trop souvent. La société chargée de construire la maison a fait faillite et les gens n'ont jamais revu ni leur argent, ni leur maison, évidemment. Rien n'a été fait, les constructions n'ont pas été achevées. Donc il y a un vrai préjudice pour les victimes qui ont relaté ces faits à la DDCCRF. J'adopte donc pour ma part le point de vue de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes et je pense que votre tribunal fera de même. Je requiers à l'encontre de M. Moulin Didier le prononcé d'une peine d'amende avec sursis. Je vous propose d'en fixer le montant à 2 000 €. Les juridictions civiles arbitreront si elles ont été saisies par les clients, mais je crois qu'il est important aussi que le juge pénal dise que même dans ces matières-là, on est quand même dans du civil, dans des contrats, on pourrait se dire après tout c'est la loi des parties, le pénal n'a pas son mot à dire, et bien si, lorsqu'il s'agit de garanties qui sont d'ordre public comme la garantie de livraison, le pénal a son mot à dire, il faut que votre juridiction statue sur ce dossier comme elle doit le faire. Je vous remercie Madame le procureur. Monsieur Moulin, s'il vous plaît. Je pense qu'on s'est mal compris. Monsieur est gérant de la société italienne. Je suis gérant de la société française. Donc il y a deux entités totalement différentes. D'autre part, monsieur a eu des fondations défectuées et a payé ses fondations. C'est tout. Il n'a pas perdu d'argent. Il a eu un service par rapport à la société italienne. Il a cassé le contrat. C'est lui qui a cassé le contrat alors que la maison était en cours de fabrication. Et effectivement, il y a eu un problème sur la première partie, chose que quand je suis arrivé à la société, j'ai arrêté. C'est-à-dire j'ai demandé et j'ai envoyé au client, ça je peux fournir parce qu'on a les dossiers pour ça, j'ai envoyé une lettre au client en leur donnant le choix de continuer ou de ne pas continuer. Ils étaient dans un état où personne n'avait perdu d'argent, où personne, ils avaient la possibilité de se rétracter. Ils nous ont demandé de continuer en acceptant la possibilité d'avoir ces deux contrats. Je comprends tout à fait ce que vous me dites. Effectivement, c'est tourner autour du pot. Mais le droit ne nous autorise puisqu'on a deux entités séparées avec deux prestataires différents. Donc ça, on est d'accord qu'on peut requalifier ça en CCMI et ça, je laisse la possibilité de le faire. Très bien, monsieur. Le tribunal met l'affaire en délibéré. Vous aurez le résultat tout à l'heure. Juste une information. Par rapport à ce qui a déjà été jugé... Annulé, monsieur. C'est annulé. Donc on peut prendre plus que ce qu'on peut avoir sans se défendre. Ok, ça marche. L'audience est suspendue, le tribunal va délibérer sur les premiers dossiers. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Et dans l'affaire de M. Moulin est déjà reparti. M. Moulin est reçu en son opposition, il est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et il est condamné à 2 000 € d'amende avec sursis. Pas d'autres réquisitions, Madame le procureur ? Pas d'autres réquisitions, Madame la Présidente. L'audience est levée.